BSR au siège. Nous entrons dans une zone de turbulence. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez plus mal à la tête? Mais vous entendez ce que je dis? Allez vous asseoir, attachez-vous. Incroyable cette fille, c'est qui? Il est arrivé une histoire terrible. Son mari et son fils sont morts dans un accident de voiture. Je crois que c'est elle qui conduisait. Ta sœur est chez toi depuis 3 jours. Oui, je sais, elle m'a laissé un message. Oh, ouf, t'es là. Moi, partir. Reviens après, ok? Mon fils, attends ici. Non, je suis très fatiguée, là, je suis en plein décalage horaire. Oui, vous couchez. Lui, attend ici. Bah, t'es encore là, toi? Il est toujours pas entré. Oui, Liang, c'est Adeline. Bah écoutez, je suis un peu inquiète. Son téléphone marche plus. Comment tu t'appelles? Delphine, il est chinois. Iti, téléphone, maison. Tu habites où? La maison. Il est où le 125? C'est quoi le numéro pour appeler la police? C'est dingue, c'est une fausse adresse, c'est qu'elle n'a pas de papier. Oui, bonjour, de terre d'une copine de moi, Ting allemand. Cheveux noirs, elle est maigre comme un canard en hiver. Franchement, j'ai honte, hein. Ils l'ont ramenée en Chine. C'est pas vrai. Maman. Dans le fond, c'est peut-être un cadeau du ciel, cet enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Adeline, il est où le petit? Il est à la maison. Renseignement généraux. Il est tout seul, là? J'ai fermé la porte à clé. Je sais que c'est pas facile, tu vas retrouver maman. Je te le promets.